Ah ben oui, toi. Hey, ça va nous faire de la viande en masse, ça, je le tire. Ah non, fais pas ça, on a pas de permis, là, c'est illégal. Moi, je m'en fous, là. Voyons. Il est rendu où? Ah, il doit s'être envolé. Voyons, ça se peut pas, ça, c'est impossible. Ben oui, ça se peut. Arrête de me niaiser, là. Tu sais bien qu'un orignal, ça vole pas. Ouais, mais ça, c'est ce qu'on dit de moi, puis pourtant... C'est ici la moyenne au pepperoni? Non, désolé. Ah, OK, ça va. Ouais, mais t'es-tu sûr? Ben oui, je suis sûr. Ah, OK, c'est bon, désolé. Mais là, c'est un C5P+, t'es-tu sûr? T'es-tu sûr? Oh non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Pas si vite. Parce qu'on parlait de ça, là, moi puis Jimmy. C'est qui, ce Jimmy? On se dit qu'on est pas mal tanné de livrer des pizzas à des fausses adresses, hein? Ouais. Ouais. Puis on trouve que c'est un drôle de hasard que la fausse adresse, ça soit ton adresse, hein? Ouais, parce que ça a pas l'air faux pantoute, ton adresse. Ça a même l'air assez vrai. Mais là, c'est clair, c'est une vraie adresse, là. C'est juste pas la bonne. Ouais, mais ouais, mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est pas toi qui as appelé? Ben, je vous le dis, c'est pas moi. Ouais, mais attends. Parce que moi puis Jimmy, on pense que c'est toi. Mais c'est pas moi! Je pense qu'on a un problème. Je pense que non, moi. Non, c'est parce qu'il veut dire que nous deux, on a un problème, là, parce qu'on bluffait. Mais là, dis pas, on t'a sur le bord du vent. Ah oui, mais il sait bien que c'est un frisbee qu'il y a. Mais non, c'est pas qu'un frisbee dans le bois. Tu pourrais citer le frisbee moyen. Mais non, mais laisse faire, là, il est bien trop rusé. Bon. Maintenant, j'ai besoin que vous vous déshabillez. OK. Mais pourquoi? Ben, parce que j'ai goût de vous voir nu. Ben voyons. Je vais vous dénoncer à l'ordre des médecins. Hein. Oh non, faites pas ça. Ça a juste pas de bon sens. Est-ce que je vais être mangé? Mangé? Pourquoi vous dites ça, là? Vous allez peut-être recevoir une amende, ou peut-être même un emprisonnement, mais vous serez pas mangé. C'est l'ordre des médecins qui décide. Oh, vous avez dit ordre des médecins, OK. J'avais compris l'ogre des médecins. Donne-moi ton portefeuille! Donne-moi ton portefeuille! Donc, vous avez une allergie, c'est ça? Je pense que oui. Est-ce que c'est une allergie alimentaire? Ben, j'ai souvent des ballonnements après le déjeuner. Fait que... Ben, oui, peut-être. Les ogres aussi aiment ça, déjeuner. Écoutez, là, allez-vous arrêter de parler d'ogre? Ça existe pas. Mais j'ai pas parlé d'ogre, j'ai parlé de déjeuner. Mais non, juste avant. Vous avez dit, les ogres aussi aiment déjeuner. Non. Ogre, c'est pas un mot que je dis normalement dans mon vocabulaire, là. Je parle pas d'ogre. Oui, vous venez juste de le faire. Ah, c'est vrai. Je l'ai fait. Ah, c'est vous qui m'a entendu? Qui ça, l'ogre? Écoutez, là, c'est vraiment ridicule. Ça existe pas, un ogre des médecins. Ah, ça existe pas? Non. Ben, vous devriez en parler à mon cousin. OK, il est où? Il s'est fait manger par l'ogre. OK. Oh, regardez, j'ai une photo. Regardez! C'est pas une photo, ça, c'est un tournevis. C'est parce que je pointe la photo avec le tournevis! Écoutez, là, moi j'en ai assez, là. Je m'en vais voir un autre médecin. Oh non, laissez-moi pas tout seul. Oh non, c'est lui. C'est lui. Aidez-moi!
chat. Salut, moi c'est Dominique. C'est moi qui ai réalisé tous les sketchs des chats dans l'arbre avec les pompiers. Bon, là ça a l'air que pour les besoins de l'émission, là, il a fallu faire des coupures au montage. Je vais vous montrer la version originale du sketch du chat qui se fait arroser, là. Ma version à moi. Parce que tant qu'à moi, il y a des grandes scènes qui ont été coupées, là. C'est carrément du sabotage de talent. Fait qu'on va regarder ma version à moi. Il reste-tu de la mayonnaise maison? Aidez-moi, mon chat est pris dans l'arbre! C'est une mission pour nous. Non! Je suis pas capable d'affronter la mort en face. La mort en face? La mort avec ses grands yeux froids? Je l'ai vu de près. Faut affronter le danger pour éviter le pire. Braver les flammes, être plus vite que la mort. T'as raison. On peut arriver avant la mort. Seulement notre travail, madame. Aidez-moi! Aidez-moi, mon chat, il est pris à... On sauve plus de chats, nous autres. Mon chat, il est pris en feu dans l'arbre! Je vais juste préciser que le chat qu'on va brûler, ce n'est pas un vrai chat. Et avis aux enfants, ne faites pas ça à la maison car nous sommes des professionnels. Et... Ça tourne. Ça tourne? C'est juste la tête qui brûle. Faut que le reste brûle. Excuse-moi. Oui. Tu l'heures? Excuse-moi, je l'ai donné à quelqu'un tantôt. C'est bien plate, cette joke-là. Non, c'est pas une joke, là. Je l'ai vraiment donné à quelqu'un. Là. Je suis le maître du temps! Allez, la gang, baissez le sang, la bouffe arrive! Oui! Salut, c'est pour ici le sous-marin de 20 pieds? Oui! Ouais, c'est parce que on checkait ça, moi puis Jimmy. Là. C'est qui Jimmy? Puis c'est parce qu'on se disait que ça n'a pas bien d'allure, là. Jamais on pourrait trouver un four assez grand pour cuire un pain de 20 pieds, là. Mais en tout cas, nous autres, on n'avait pas, là. Fait que là, on s'est dit, OK, ben, on peut peut-être prendre comme une longue pâte et la tourner en rond, mais là, ça donnerait une brioche, là. Ouais, mais tu sais, une brioche repas, parce que c'est quand même salé, c'est ça, là. Moi, c'est quoi, là? C'est pas votre spécialité, les sous-marins géants? Ben ouais, ça l'était, jusqu'à temps qu'on se rende compte que, regarde, on peut pas en faire. Ouais, fait qu'on s'est dit qu'un pied, c'était bien assez long. Mais voyons donc! Tu m'y es-tu, là? Mais non! De toute façon, 20 pieds pour un gars tout seul... Tu commences à en faire du sous-marin? Ouais. Hein? Ça se parle pas mal, ta gourmandise, entre moi et Jimmy, en tout cas. T'auras dû voir notre face quand on a pris la commande. Je vous l'avais dit qu'on était 35! Ah ben attends, là, c'est parce que Jimmy m'a dit que tu niaisais. Ouais, mais là, tu sais, il dit qu'il est 35, mais il est tout seul qui parle. C'est louche! Il est pas cave, hein? Ça rentre là-dedans, m'a dit, 92 et 30. Hein? Non, mais 92 et 30, c'est ça coûte. Là. T'es-tu malade, toi? C'est ben trop cher! On le sait. Je paierai jamais ça! Mais OK, de bord, nous autres, on viendra plus jamais livrer ça. Ouais, avant au moins 2 semaines. Bonne chance, ouais. Hein? Ouais! Hein? Hey, les gars! Je pense que je suis inspiré parce que je viens d'écrire 15 nouveaux sketchs. Oh, oui. 15? C'est que cool. Par exemple, ça prend quelqu'un qui est capable de marcher ses mains. Ben, ouais. Moi. Ok, un petit tu es capable de monter des marches bien vite, là. Ben, là, non. Ok, c'est beau. Laisse faire d'abord. Quoi? Excusez-moi.
Ok, vas-y, je te couvre. Non, je suis touché. T'as reçu une balle? Non, je suis sûr que tu me couvres, c'est vraiment fin. Qui m'a accroché puis qui s'est même pas retourné. C'est grâce à lui si j'ai vos applaudissements ce soir. Merci. C'est donc un mélange de maladresse de ma part et de non-respect de votre part, évidemment, qui crée de si beaux moments. OK, vas-y, je te couvre. Je suis touché! C'est correct, là, c'est correct. Je suis touché! Vas-y, là! Ah, je suis touché pour vrai! Hey, on s'embrassera pas quand même, vas-y! Oui, vas-y! Aïe, aïe! Ça fait mal en tabac. Pour vrai, j'ai des bleus ses fesses, c'est sûr, là. C'est sûr, OK? Il l'a tué, là? Non, ça, on l'a manqué, on l'a manqué! À cause de moi, là! C'est ça? Ah. Aidez-moi, quelqu'un! Mon pompier est pris dans l'arme! Oh, j'aime tellement ça, là, passer des journées entières comme ça, juste à regarder passer les nuages. Ouais. Ouais, ouais. Mais si je rentre pas travailler, là, mon patron il a dit qu'elle allait me foutre dehors. Hey, faites-moi un tour! Ah, je peux pas, j'ai vraiment pas le temps. Hey, s'il vous plaît! S'il vous plaît! S'il vous plaît! Non, 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 il faut que je me pratique! S'il vous plaît, 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 s'il vous plaît! Ok. Puis j'ai une carte. Oh non, pas encore! Comment je pourrais dire que j'ai perdu mon emploi? Comment je pourrais lui dire que j'ai un amant? Comment je vais dire à papa et maman que je me suis transformée en pater? Une pater qui réfléchit. Fallait y penser quand même. Je m'appelle Jean-François Chagnon. C'est moi qui ai écrit puis réalisé les sketchs de la pater. Je pense que mon interprétation juste de l'enfant transformé en pater traduisait bien la souffrance de la perte de la naïveté. C'est aussi un peu une allégorie de mon propre mal de vivre. Bon, malheureusement, ce que vous avez vu, c'est tout ce que les autres m'ont permis de garder au montage. J'avais aussi écrit un monologue final, une espèce de paroxysme de la tragédie. Puis dans cette scène-là, on comprenait beaucoup mieux le drame que vit l'enfant transformé en pater. On va aller le voir. Existence changée à jamais, d'enfant à pater. Je dois apprendre à vivre sous les manteaux, je suffoque sous les foulards. Ma vision se rétrécit, condamnée à la solitude au milieu d'un hall d'entrée. Je n'en peux plus qu'on me lance des manteaux. Qui comprendra qu'au cœur de la pater se cache un jeune humain, ne désirant qu'un peu de magie? Wow. Gaétan! Oh Gaétan, sais-tu c'est quoi la différence entre toi et un divan? Le divan, il nous doit pas d'argent. Gaétan! Gaétan, oh Gaétan, as-tu déjà été impliqué dans un accident? Ça peut arriver n'importe quand. Gaétan! Gaétan, oh Gaétan, on a appris que tu tripais sur les cowboys fringants. On est allé le péter les dents. Gaétan. Gaétan, oh Gaétan, on pourrait peut-être essayer de trouver un arrangement. Dans genre que tu nous donnerais notre argent. Gaétan. Gaétan, oh Gaétan, si tu nous devais juste 10 piastres, on serait moins achalant.
mais qu'espère c'est un peu énervant. Guetta, Guetta, oh Guetta, tu le sais qu'on est pas méchant. C'est juste qu'on veut revoir notre argent, que tu sois mort ou vivant. Mais t'es vraiment mieux de nous leur donner, là. Ouais. Oui, c'est bien pour ici, le numéro 3, pas de ça. Oui. Parce qu'on fait pas la livraison. Bye. Bon, 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 bon. Bon. Bon, 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 bon. Bon. Si tu touches à mon pot d'or, je te pète la gueule. Je pense qu'il y a moyen de se faire une passe de cash. Quoi? Ah! Attends! Qu'est-ce que c'est ça? Ah, excusez, ça n'a pas marché. T'as-tu déjà demandé ce que ça ferait si tout le monde de la Terre se mettait à crier en même temps? Ben oui. Antoine! Ah, Marc! Hey, salut! Hey, salut! Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Ah, j'allais magasiner, là. Ah, ouais, ouais. J'étais un peu mal à l'aise, là. T'aurais-tu le 20$ que tu me dois? Ah, la fois du resto! Ouais. Ah, ouais, ben. Oui, oui. Ouais. Merci. Ça me fait plaisir. Oui, je joue de la guitare pour vrai. En fait, c'est moi qui compose principalement la musique de l'émission. J'aime bien m'inspirer des lieux dans lesquels j'écris. Je sais pas, je pense que j'ai vraiment une capacité à comme ressentir les vibrations des différentes pièces. Je compose beaucoup dans la salle de bain. Quasiment rien que là. Je suis bien dans la salle de bain. Je suis bien dans la salle de bain. Il y a tous les objets à la salle de bain. Principalement, puis les objets autour du bain, puis après ça, on s'éloigne du bain. Shampoing, savon, tout ça. Une sorte de shampoing, quasiment autant que tu sors du bain. Peut-être pas tant que ça, mais y'en a quand même une crise de coupe. Puis de comme de fait, bon, ben c'est sûr que mes chansons parlent pas mal de trucs de salle de bain, là, mais il y en a des affaires d'une salle de bain. Dans le miroir, la pharmacie, je vois que tu me souris. Bon! Papa, papa, yeah! 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 Ça, c'est inspirant. «
Oui. Bonjour, est-ce que vous connaissez une certaine Catherine? Oui, je suis son frère. Est-ce qu'on pourrait vous poser quelques questions? Est-ce qu'il se passe quelque chose de grave? Non, non, inquiétez-vous pas, là. Qu'est-ce qui se passe? Bon, regarde, fais juste répondre aux questions, là. Est-ce que tu sais où est-ce que ta sœur était hier? Elle était dans un party avec des amis, je pense. Justement, oui. Est-ce que tu sais si ta sœur, elle consomme de la drogue? Non, je pense pas. Puis est-ce que tu sais si ta sœur présente des comportements agressifs envers soit les T-shirts ou les animaux? Non. OK, fait que là, toi, tu penses que c'est pas ta sœur qui aurait fait ça à mon T-shirt, agent Jimmy? Voyons donc! Mais là, si c'est pas ta sœur, c'est qui d'abord? Je sais-tu, moi, j'étais pas là! Ah, oh, c'est peut-être Joe, parce que t'as cruisé à Annie hier toute la soirée. Ah ouais, c'est peut-être ça. Oh, ouais, excusez, on s'est trompé. Si vous avez du nouveau, n'hésitez pas à nous appeler. 2-1 les mardis. Bye. Pour écrire 20 albums qui parlent de shampoing. Y'a plus de bain moussant, on va prendre du shampoing à la place. Dis-les pas à maman.